Le EE9 Cascavel est un véhicule blindé de reconnaissance fabriqué au Brésil. Conçu à partir de 1970 par la firme Angesa et entré en service en 1974. Il doit son nom au crotal, Cascavel en portugais. Il a la particularité d'utiliser un maximum de pièces issues du commerce civil et partage de nombreux éléments avec le véhicule de transport de troupes EE11 Urutu brésilien. Sa version la plus fréquente, le Cascavel 3, est équipée avec une tourelle Angesa sur laquelle est monté un canon de 90 mm belge Cry Mark III fabriqué sous licence. C'est un véhicule de reconnaissance à 6 roues motrices, très rapide et très manœuvrable, tant sur route que tout terrain. Le pilote est installé en avant et à gauche de la caisse. La tourelle abrite les deux autres membres d'équipage au milieu du véhicule. Il a été conçu pour remplacer la flotte vieillissante de M8 Greyhounds au Brésil. Le véhicule a d'abord été équipé du canon principal de 37 mm du Greyhound, puis d'une tourelle française adoptée par le Panhard AML90. Les modèles ultérieurs portent des tourelles Angesa uniques muni d'un canon Cockeye Mark III de 90 mm, produit sous licence sous le nom de C90. Le Cascavel partage de nombreux composants avec le E11 Urutu, son homologue de transport de troupes blindées. Tous deux sont entrés en production en 1974 et sont maintenant exploités par plus de 20 nations en Amérique du Sud, en Afrique et au Moyen-Orient. Les droits sur le dessin ont également été vendus aux États-Unis par l'intermédiaire du FMC Corporation. Environ 2767 Cascavel et Urutu ont été fabriqués avant que Angesa cesse ses activités en 1993. Tout au long des années 1960, les accords bilatéraux de défense du Brésil et des États-Unis ont facilité l'accès à un surplus d'équipements militaires américains d'après-guerre, y compris un certain nombre de véhicules blindés M8 Greyhound de la Seconde Guerre mondiale. L'industrie brésilienne de l'armement s'est limitée à restaurer et à maintenir le matériel désuet jusqu'en 1964, année où la participation américaine à la guerre du Vietnam a imposé des restrictions sur la quantité de technologies de défense disponibles pour l'exportation. Le Brésil a réagi en créant un programme indigène de substitution des importations en 1968 visant à reproduire les équipements américains déjà en service. Déjà en 1966, un article du journal militaire Defensa Nacional affirmait que l'état de l'industrie automobile nationale, des autoroutes et de la production de carburant Petrobras rendait viable la production locale d'un véhicule blindé de 8 à 10 tonnes, 6-6, et en 1970, l'armée brésilienne était en train de développer un Greyhound réactualisé connu simplement par ses initiales portugaises, CRR. Angesa, alors une obscure entreprise civile d'ingénierie, a repris le projet et, en novembre 1970, un prototype a été achevé. Le nouveau EE Cascavel est entré dans la phase de pré-production entre 1972 et 1973. Les lignes de montage du Cascavel et de son homologue blindé, le E11 Urutu, a été ouverte en 1974. Les coques ont été achetées par l'armée brésilienne, mais ont été montées avec le même canon et la même tourelle de 37 mm recyclée à partir de ces vieux Greyhounds. Pour concurrencer l'armement plus redoutable disponible sur le marché international, Angesa a également commercialisé un Cascavel fortement modifié avec une boîte de vitesse et le même canon à basse pression de 90 mm que l'on trouve sur les Panhard AML. Ce modèle, destiné à l'exportation, a attiré l'attention
sur le Moyen-Orient et 20 ont été immédiatement achetés par le Qatar. La vente du Qatari Cascavel s'est avérée un succès majeur pour Angessa et la première incursion réussie du Brésil dans le commerce arabe des armes. Abu Dhabi lui emboîta le pas avec une commande de 200 Cascavel en 1977. L'Irak et la Libye ont choisi le Cascavel de préférence au pan AML-90 ou ERC-90 Sagaï. Le premier négociant en accord pour la livraison de 200 Cascavel et de 200 Urutu. À la suite de la vente en Libye, Angessa a dévoilé un nouveau modèle de production portant un canon principal Cockray de conception belge fabriqué sous licence sous le nom de C90 au Brésil. Les forces armées de la Jamaïria arabe libyenne ont déployé avec succès un certain nombre de Cascavel EE9 contre les chars égyptiens, probablement des T-54-55 ou des T-62, pendant la guerre libyenne-égyptienne en 1977. Des cascavels libyens ont également été mobilisés au Tchad, où ils ont engagé des AML-90 de la Légion étrangère française et des soldats de l'armée française. Un nombre inconnu de ces véhicules blindés ont ensuite été donnés au front Polisario et au Togo, tandis que d'autres sont restés en service jusqu'à la guerre civile libyenne en 2011. Les Cascavel étaient toujours en usage lors de la bataille Sirte contre l'État islamique en 2016. L'armée nationale colombienne a acquis 128 nouveaux EE9 Cascavel en 1982 afin de moderniser son équipement en cas de conflit armé avec le Venezuela. Les véhicules blindés ont connu leur première action, la plus significative, pendant le siège du palais de justice en 1985 lorsque des membres du groupe guérilla M19 ont pris le contrôle du palais de justice de Bogota. Les EE9 ont frappé directement les murs extérieurs de la structure, ce qui a déclenché un incendie qui a détruit le bâtiment et tué plusieurs otages. Pendant la guerre Iran-Irak, les Cascavel EE9 étaient exploités par des garnisons irakiennes près du golfe du Persique. Les véhicules blindés étaient souvent capables de dépasser les chars iraniens, plus lourds, et les véhicules de combat acheminés sur un terrain sablonneux relativement plat, près de la région côtière. Les frappes aériennes de la coalition ont plus tard détruit plusieurs zones au nord de la ville du Koweït, dans le cadre de l'opération Tempête du désert. À la suite de l'invasion de l'Irak en 2003, la flotte survivante a été condamnée à la casse. Toutefois, le personnel technique américain a rétabli 35 véhicules en état de fonctionnement en 2008 et les a présentés à la nouvelle armée irakienne. Les EE9 modifiés localement ont été remis à neuf par les milices irakiennes des forces de mobilisation populaire, certains ayant été remplacés ou complétés par des mitrailleuses, des roquettes de type 63 et 107 mm ou un canon Grom de A28. Ils ont été utilisés contre les forces de l'État islamique. Le EE9 Cascavel a trouvé, grâce à sa conception simplifiée et à l'utilisation de composants déjà omniprésents dans les industries civiles, son faible coût, à côté des véhicules blindés occidentaux comparables, en fait un achat attrayant pour les pays en développement en particulier. Au plus fort de la guerre froide, la nature strictement commerciale des ventes d'Angessa, dépourvue de toute contrainte politique des fournisseurs, était également perçue comme une alternative acceptable aux armes de l'OTAN et du pacte de Varsovie.
Le Cascavel Mark III sont équipés de canons Angessa EC-90 de 90 mm, explosifs élevés HE, d'un canon anti-char à explosifs élevés EHAET ou d'un obus à tête à squash à explosifs élevés HESH sous forme de cartouche. Une mitrailleuse coaxiale de 7,62 mm est également montée à gauche de l'armement principal. Le C-90 a une altitude de plus 15 degrés et une dépression de moins 8 degrés. Il n'est pas stabilisé et ne monte qu'un système optique rudimentaire de contrôle de tir qui a été mis à niveau avec un télémètre laser en service brésilien. Les Cascavel, de production tardive, étaient équipés de pneus Runflat et d'un régulateur de pression centrale unique accessible depuis le poste de conduite. Le véhicule a une forme de bateau. Le E9 Cascavel possède un glacis frontal abrupt qui s'incline vers le haut et vers l'arrière, vers le toit de la coque horizontale, avec des renfoncements pour les projecteurs et une épaisse plaque de glacis au niveau du conducteur. Les côtés de la coque sont presque verticaux, mais aussi inclinés vers l'intérieur, vers le toit. Il y a une tourelle basse et bien arrondie sur la partie avant de la coque, avec un long canon effilé et un triple frein de bouche à déflecteur.